gens. Je garde mon masque. Pourquoi? Parce que ça pue la mort. Je le sens, je la sniff, je la vois. Elle passe dans ma tête. Je peux pas savoir. Elle me dérange. À tout moment, à toute heure. Tu vois? Tu vois le thème? Pourquoi je te pas? Parce que toi, ça te fait rien. Tous ces gens qui partent trop tôt, à tout moment. Non, c'est trop et ça va loin. Ouais, j'en ai marre de ça. C'est devenu quelque chose qui est naturel. Tu vois? Tu crèves. Une belle masse, parce que là, tu sais jamais, tu peux jamais savoir ce qui peut t'arriver du jour en roulant demain. Avec ce qu'on vit à tout moment. Tu vois? Les morts. Il y en a ras-le-bol. C'est pas possible. Tu vois aussi pourquoi je me suis éloigné. J'entends des bruits. Toi, ça jacasse. Tu vois, des gens, ouais, combien de morts aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Demain, c'est lui, après demain, c'est l'autre. T'imagines-toi ça? Comment ça se passe? Genre, les gens, ils jouent aux cartes, ils posent comme ça, là, ils font les mises. Tu sais, ils mettent comme ça. Allez, t'as dit combien aujourd'hui? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toi qui va crever la prochaine fois, à lui, au prochain. Tu sais, des trucs barjots comme ça. La jeunesse, tout âge. À cœur joie. Après, même ce qui paraît comme ça, ça dit que, ouais, ben, il faudra tuer un de plus. Aujourd'hui, on va suicider quelqu'un. Tu dis, c'est une plaisanterie ou c'est quoi là? C'est grave. Tu vois? Déjà, rien que dans le pays où je suis, en France, tu sais pas, tu peux savoir partout. On meurt de tout et de rien, pour de la bêtise, pour quoi que ce soit, pour la manipulation, par des instincts de mort comme ça, ressurgit un coup comme ça l'adrénaline. C'est grave. T'as vu? Tu penses que c'est un pari sportif, des jeux de grattage, des trucs comme ça, quoi. Et les gens, on dirait, tu vois, ils se disent, vas-y, viens, on va faire un business de ça. Cette mort, on va créer des jeux, on va jouer un tel truc et on va voir déjà combien de morts ils peuvent être partis, il peut arriver du jour au lendemain. Tu vois, planifier. Toi tu dis 5, toi tu dis 10, tu dis 20. Et combien tu mets dans ta grille, tu vois. Après ça fait des catalogues. France, Europe, tel pays, Amérique du Nord, machin, Amérique du Sud, Colombie. Comme je mets, on choisit des régions, des places et tout ce que j'ai pas cité, bref. Tu vois, ça va où là? On est où là? On vit dans quoi? Nous-mêmes, pour moi-même, je me dis, je dois faire gaffe. Tu vois, j'ai ma bombe à manger, je vais pas te la montrer. Je l'ai. Et des fois, j'ai oublié comme ça. Matin comme de nuit, tu passes, tu tombes, tu fais sauter, on te fait pousser. Ça part dans la route. Tu sais plus quoi. C'est fou, c'est dingue. Du jour au lendemain, tu vois ça. L'information, elle nous raconte autre chose. On t'en met déjà un peu. T'as des applications, tu vois les détails. Fait, drame, meurtre aujourd'hui dans tel endroit, telle région. C'est incroyable. Comment tu veux te soucier de ce qui se passe à chaque fois facilement? Tu vois? Quand c'est tes proches, ta famille, quelque chose autour de toi, là tu vas te sentir normalement beaucoup plus touché, plus visé à l'intérieur de soi. Tu vois? Tu comprends là? Ben ouais. Et là quand c'est les autres, oui et non, ça dépend de la sensibilité de la personne. Tu vois, des fois, des gens, ils sourient, ils sont comme ça, normal, tout le temps souriant, je sais pas pourquoi, parce qu'ils ont fait du yoga, spirit, ou quelque chose qui fait qu'ils ont réussi à être détachés d'eux, se sentir plus libre, dépendre de personne, tu vois. Je pense à ça, et des fois, je déteste dans les travails, les marchés, je dis, est-ce que le sourire se maintient? Si t'arrives quelque chose dans ta famille, ou quoi que ce soit de grave, demain, là, t'as vu quelque chose qui tombe, quelqu'un qui va arriver quelque chose de grave, se faire attaquer, quoi que ce soit, est-ce que tu vas rester? Bref, je dis ça comme ça, je vous embête avec tout ça. J'en rajoute parce que c'est effrayant, c'est abominable, on en a marre. On a marre de la mort de ce jeu. C'est une plaisanterie ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les les jacassements et tous ces gens qui partent, qui meurent, quoi. J'ai fait ça comme ça. Parce que c'est une imagination dans ma tête, mais qu'est-ce que tu crois? Tout est possible. Les gens, ils peuvent créer des moments pareils comme ça. Ils peuvent le faire là où on est, tellement que ça crève de partout. Ça part, ça,
ça saute, ça bouge, c'est propulsé. C'est ce que t'en dis, toi. Ouais, c'est pas possible, ça. Il faut. Après, en parlant de cette vidéo là, mon cri de colère, comme ça là, c'est pas pour vous pousser à vous inciter à faire des choses, à vous de voir, je sais pas, par exemple, des associatifs, mettre de l'argent, des œuvres de bénévoles, tu vois, tout ça quoi. Faites ce que vous pouvez si vous voyez des gens dans des familles. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Écart, je cite ça comme ça. L'écart, ouais, si je me trompe pas. De temps en temps, après, aider des gens, mais je dis ça comme ça sur le coup, là, de la vidéo. Faites ce que vous pouvez. Récoltez le bien autour de vous, moi, je vous dis. Parce qu'on ne peut pas savoir ce qui t'arrive du jour au lendemain. Il faut avoir croire, avoir foi au Tout-Puissant. Après, tu vas me dire là, tu peux me dire laquelle, c'est à toi de savoir, de te dire si c'est. La dernière croyance, je dis ça comme ça, pour nous protéger, nous mettre à l'abri, nous se dire si c'est nous le prochain, eh bien on aura au moins on saura quelque part. On va aller dans un endroit, voilà, après c'est Dieu juge qu'on est bon, on a été au moins un minimum de foi. Je veux pas trop rester bloqué là-dessus, mais c'est pour nous, pour notre bien. D'être protégé à tout moment, de se dire. Vas-y, fais attention à toi, fais attention à ton prochain aussi dans la rue, n'importe où. Des fois, il y a des gens, tu vois, ils vont se faire attaquer ou quoi que ce soit. Mais là, ils ne bougent pas le pouce comme ça, je dis, tu sais, tu vois. À la limite, avant de bon macron, moi, c'est une agace, à gel, visage. Après, à la limite, il y a un petit coup, sans trop de violence, tout ça. Ça aussi, je dis ça. Voilà, protège-toi, fais gaffe. Je vais beaucoup inciter les gens à la prévention, à être attentif toujours, tout le temps. Ouais, même là, je peux être là. Qui me dit qu'il y a un viseur, il y a quelque chose qui est là pour me voir, me guetter, m'attendre au tournant. Tout est possible. On dit, ouais, tu m'as filmé, tu auras l'image, quoi que ce soit. Fais gaffe là, quelqu'un que je vais parler va me demander une cigarette, un briquet, un endroit, des zones comme ça. Partout on crée, partout on est, dans les endroits, des beaux endroits comme les mauvais, ça rêve de tout part. La planète, elle est en urgence, elle est alertée, elle saute à tout moment. C'est trop, c'est catastrophique, c'est abominable. Donc, quelques mots de phrase de la fin. Mettez-vous sur votre garde, faites attention à vous tout le temps, à tout moment. Si vous pouvez aider, aidez les gens que vous pouvez du mieux possible pour aider ça, pour trouver des solutions, voir s'il y a des miracles, parce qu'on n'en peut plus, on en a marre. On en a marre, grave. Moi aussi, j'en ai ras le bol. Ça saoule. Tu vois, t'as déjà quelqu'un. Enfin, t'as quelqu'un qui te parle de la mort, ou t'entends parler, ou qui va être contre la mort, et tu te dis voilà quoi, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, tes larmes, ta progression, ton mal à toi, comment jusqu'à où tu vas te dire, si tu vas faire des cris, tu vas te sentir mal, tu vas te faire du mal à toi-même. Ne cherchez pas le suicide aussi, provoquez pas la mort, enfin, ça m'est déjà arrivé de penser, pour des petites choses quoi, tu sais, ça passe comme ça. Ça suit pour des histoires d'argent, sentimentales, des choses comme ça. Mais heureusement, je me dis, j'ai une petite, il y a des gens qui comptent sur moi, qui croient en moi. Je pense à ces choses-là. Il y a le Seigneur qui est là, que tu crois, tu ne crois pas, qu'il y a du mal, mais il faut toujours y croire, malgré qu'on demande des choses et ça ne vient pas. Il faut. Et dans le tapis, voilà, on n'a pas le droit de se tuer, créer le meurtre, ôter la vie de quelqu'un. Comprenez bien ça. On en a marre. Ras-le-bol. Franchement, la parole, là, je peux rester encore longtemps, mais voilà, pensez-y, tout le temps, de tout ce qu'il y a partout autour de vous. Attentif, regardez bien, je sais pas, de partout, évitez les trucs, les gens qui peuvent monter là, de là-haut, au haut de leur maison, qu'est-ce qu'il va y avoir, je veux faire quelque chose qui est pas bon, non. Voilà, la mort, c'est pas un jeu, c'est pas une plaisanterie, faites attention à ça. Récoltez le bien et on vous le rendra. C'est ce que je dis en tout cas, évitez de chercher des conneries. Il y a toujours pire que soi, plus dur que soi. Pour chercher à mourir, à crever, on en a marre. Voir des tours qui s'écroulent, des gens qui partent en grand nombre, des suicides, des gens qui vont tuer des personnes, qui vont chercher, faire un guet-apens, se venger pour si peu, pour pas grand-chose, pour des conneries, tout ça. Je sais pas, ils ont quoi dans la tête. Enfin, non, oui, manipulation parce qu'ils ont des trucs, ils sont possédés, ils prennent des consommations, et des alcools, des trucs forts, ou même des fois, c'est pas ça, c'est toi-même qui est comme ça, parce que tu as la haine, tu as la méchanceté gratuite, tu penses à des choses comme ça pour les autres, parce qu'il est là, parce que j'ai pas, parce qu'il m'a fait ci, parce qu'il m'a fait ça, et ainsi de suite.
Bon, c'est bon, je vais arrêter là. Putain, je vais jamais m'arrêter. Je vais rester. Je vais chercher des dossiers, des histoires à vous raconter, à vous en dire. C'est bon. Pensez-y. Mettez-vous sur vos gardes. La mort. Elle frappera toujours à ta porte. Faut pas l'attendre. Quand l'heure viendra, elle viendra. Pour l'instant, ne la provoquez pas. Vivez le plus positivement possible, dans la joie et la bonne humeur. Vous croyez à vos projets, à vos trucs, faut persévérer. Et ça va aller. Ne pas démoraliser, se dire vas-y, je vais faire quelque chose de grave. À mon prochain comme à moi. Ciao. Peace.